pense que dans la version française, j'ai jamais vu la scène de début. La scène de début quand les jeunes mariés commencent à contourner les meules de foin là. Là, bon, ils sortent de l'église, tout le monde sort de l'église et tout le monde se dirige vers la barque. Là. Et le jeune marié, il heurte la meule et il continue à tourner autour. Là. Tourner autour en oubliant le monde entier. Voilà. Ça, je n'ai pas vu dans la version française. Bon, je pense qu'il y avait, quelques modifications qui m'ont pas échappé. Mais je me rappelle tout le film, hein, par cœur. Vraiment par cœur. Je pense que... je ne sais pas s'il y avait toutes les visites de Michel Simon dans l'échange des disques avec un type, il paraît qu'il s'appelait Rasputin, l'échange des disques. Et en plus, ce qui est très intéressant, que l'opérateur était un russe, là, pratiquement le frère de Zigavertov, Kaufmann. On dit Kaufmann en français, mais Kaufmann. Kaufmann. Qui a appris évidemment à Michel Simon de chanter Vasadu li v ogorodi vyrosla kapusta. Vyrosla petrushka. Vasadu li v ogorodi vyrosla petrushka. Parin devushku tseluyet, dumayet igrushka. Ça signifie que on ne sait pas, dans le jardin ou dans le potager a poussé le persil, ça c'est le donné de tous les petites chansons russes. Là, le garçon embrasse une fille, pense que c'est un jouet. Igrushka. Et tout le film est fait comme ça arrive parfois, heureusement, tout le film est fondé sur le hasard, sur le bon hasard, sur nonchalance, et sur quand des choses arrivent à bon moment, là où il faut. Pour ça, je pense pas qu'on peut en se pressant la tête, inventer un film comme ça. Ça, c'est un don. C'est un don à nous, à travers de Vigo, qui était tout simplement l'instrument de quelque chose. Là, je sais pas, on ne peut pas dire que de la volonté des cieux, mais d'une joie qui devait arriver jusqu'à chez nous. Ces conséquences bien connues
Pour déterminer les frontières de mon attachement à Jean Vigo et au cinéma, en principe, je suis devenu cinéaste, je pense, beaucoup, beaucoup, grâce à l'existence de l'Atalante dans ma vie. Première fois que j'ai vu ce film-là, étant commençant le cinéma, travailler au cinéma dans le cadre de l'Institut de cinéma de Moscou. Et je suis tombé sur un monsieur âgé, un monteur qui s'appelait Felonov, qui a détecté mon mécontentement de tout ce qui était officiellement proposé par l'école de cinéma à Moscou. Il m'a amené dans la cinémathèque de Russie, ça s'appelait Kosfilmofond, ça veut dire que le fonds de cinéma d'État, et il m'a montré la talente. Quand ce fait a eu lieu, moi j'ai décidé que, voilà, il y a des raisons de pratiquer ce métier. Je suis tombé tellement amoureux de ce film-là que, même après la première projection, après je l'ai revu beaucoup plus tard, mais après cette projection-là, je me rappelais de tous les petits détails. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a les films que tu vois, tu te rappelles d'une séquence, tu te rappelles d'un tournant, ou tu te rappelles comment c'était fait, ou comment c'était inventé par metteur en scène. Là, il n'y a rien qui est inventé. Pour moi, il y avait ça coulait comme un ruisseau, là. Ça coulait comme un ruisseau et c'était tellement simple de retenir tous les tournants de ce que tu as vu dans ce coulement-là que je rêvais, je pensais, même moi je pense que je dessinais plan par plan ce que j'ai vu pour me rappeler après. Et c'était un grand joie, une énorme joie de voir cette œuvre-là. Et je pense que ça m'a marqué à vie. C'est comme traverser la vie et arriver à la fin à un seul résultat, que rien n'est perdu et tout ce qui paraissait être perdu est récupérable. Voilà, ce morceau, mais ce morceau, à la fin, quand elle écoute toujours la chanson, c'est tout ce qui nous accompagne toute notre vie, là, parce que heureusement qu'il y a cette méthode de fixer par la méthode de gramophone quelque chose qui est comme une chanson qu'on peut, en payant quelques sous, qu'on peut réécouter. Heureusement que ça existe. Ça prouve aussi l'existence de... On disparaît, les acteurs disparaissent, les villes se détruisent, la vie change, mais notre pellicule aussi, c'est comme un gramophone. Ça reste fixé sur la pellicule. Et ce morceau-là, quand elle, grâce à Gramophone, elle attire l'attention de
Michel Simon puis la cherche, et que lui, il devine que personne d'autre ne peut écouter cette chanson qu'elle. Ça, ça boucle la chose, ça couronne l'architecture de ce film-là. Mais je ne pense pas que c'était trop pensé, c'était pas, je ne sens pas la sueur là, derrière tout ça. Je répète que c'est le bon hasard, là. Bon hasard. Les fesses sur la barre, c'est nous les mâles là-bas. Quand le sourire d'une belle nous retient et nous appelle. Et si le temps nous dure, il faut bien qu'on endure. Quand on a le cœur gai, le métier de marinier. Après, je découvre la même chose dans mon travail. Il y a les gens qui pensent que j'ai fait tout nonchalamment. Je sais que c'est pas cette nonchalance derrière cette nonchalance, il y a un lourd travail. Alors, c'est ce savoir-faire, moi je pense que j'ai emprunté chez Vigo, pour que ça a l'air que ça coule vite, nonchalamment, que les détails apparaissent comme par hasard, après disparaissent, qu'on continue à, je sais pas, on entre dans la cahute de Michel Simon, où il montre des trucs bizarres qu'il a pu un peu partout. Et tu penses que ce sont les objets qui sont placés là, tout simplement spontanément, mais non, c'est pas ça, c'est bien réfléchi. Et la scène, quand elle est charmée, la patronne, elle est charmée par ce monsieur bizarre qui ne faisait que tout ça pour la séduire. Là. Elle est charmée, elle s'allonge, il se penche au-dessus d'elle. Mais là, c'est un vrai, vrai, vrai gentleman. Il se soulève, et il se frotte le nez, et il a quelque chose où il y a un chat qui lui empêche, ou je ne sais pas quoi, il trouve le prétexte pour ça. Enfin, ça, ce sont les choses qui on ne peut pas, non, en même temps, je pense qu'on ne peut pas les projeter, les inventer au bout de stylo. Ça, il faut être. Mais ça veut dire que le film est le reflet de ce grand monsieur qui était Jean Vigo. Alors, l'autre séducteur, c'est quelque chose, c'est quelqu'un énormément touchant parce que il cache ça, c'est typiquement français, je voulais dire là, typiquement français, il cache tout sous une forme de clonade, de il est impénétrable. Il est neutre, il est froid, il est mécanique, mais vous sentez que, et tous les malheurs que metteur en scène a fait subir, tous les malheurs, il s'en sort toujours, parce qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il y a quelqu'un qui le regarde, mais il avoue jamais ses sentiments profonds. Voilà. C'est ça ce qui est touchant dans ce personnage, je pense. Bon, mais la dame, c'est la dame. La dame, c'est la dame. C'est une dame qu'il faut mériter.
C'est la dame qu'il faut trouver, c'est la dame qui est séduite par quelque chose, par les joujoux, par les babioles, par les étrangetés, par... Hein. Et le capitaine, c'est un pauvre chevalier. Pauvre chevalier qui... naïf, malheureux, rêveur, qui est tout à fait désarmé devant le phénomène de la vie qui plonge dans cette attelante, comme pour briser cette attelante. Tout ce mélange d'une expérience de vieux marin qui connaît tout, le jeune qui est tout simplement qui est amoureux, qui est sûr que la vie sera heureuse toujours, mais en même temps il sait pas qu'il y a des choses dangereuses dans la vie qui vont... Il y a des phénomènes de séduction là autour, et que le monde est bourré de ça. Et ce petit bateau traverse toute cette vie et continue à aller. Et on ne sait pas quel danger le guette encore. C'est pour ça que ce film il est simple d'un côté, bien réfléchi de l'autre côté, qui a l'air d'être fait spontanément. Et peut-être, je pense, j'insiste, que peut-être au fond, c'est la jeunesse, c'est la découverte de la vie, c'est les premières déceptions de l'auteur qui ont leur empreinte et dans le sujet, dans la construction et dans l'idée, en principe. Je pense que c'est un film, c'est le témoignage d'existence d'un homme et de sa vision de ce monde qui est d'un côté horrible et de l'autre côté il y a le bonheur d'amitié, de fidélité et de pardon.